Hey, salut à tous et à toutes, c'est Ekar et aujourd'hui on est là pour vous montrer un petit peu comment glitcher et avoir quelques petits bugs vous permettant d'avoir de très très nombreux V-Bucks gratuitement. Et oui les potos, il y a pas mal de petites choses, des petits bugs qui ont été découverts et pas mal de youtubeurs en font des vidéos. Et aujourd'hui je vais vous montrer du coup l'astuce pour avoir pas mal de V-Bucks gratuitement dans votre inventaire. Avant toute chose les potos, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube parce que les aujourd'hui on est quand même là pour vous offrir un tas de V-Bucks assez en illimité. Donc ça me ferait énormément plaisir que vous me remerciez juste avec un petit like et un petit abonnement. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on fait généralement quand on cherche à avoir des V-Bucks gratuitement, facilement et rapidement? On va sur YouTube. Généralement vous tapez glitch Fortnite V-Bucks et on tombe sur des multitudes et multitudes de glitchs et astuces pour avoir des V-Bucks. Ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter l'une d'entre elles, on va écouter une vidéo d'un vidéaste, on va essayer de voir et reproduire son glitch pour obtenir nous aussi des V-Bucks et voir l'astuce qu'il nous donne. Et voilà, du coup je suis sur un tuto nous permettant d'avoir pas mal de V-Bucks. Donc on peut voir déjà un screen où il a 6000 V-Bucks, donc c'est déjà très très bien. Alors on analyse déjà, on peut voir son titre c'est je teste un glitch sur Fortnite pour obtenir des V-Bucks gratuitement en saison 3. Il m'a dit qu'il marchait encore à l'heure actuelle. Donc on peut voir que sa vidéo a fait 18 000 vues et actuellement elle est à 1700 likes et 149 dislikes. 1700 likes, on peut voir qu'il y a actuellement 1700 personnes qui sont contents de son glitch et apparemment qui approuve et qui dit que ça marche, et actuellement 150 personnes qui disent que ça ne marche pas ou alors qu'ils ne sont pas contents ou juste que ce soit des haineux, d'accord. Donc on va essayer de regarder son tuto. Et à ma chaîne YouTube, activez la cloche de notification. Voilà, abonnez-vous, likez les potes, il le dit. Comment c'est? Ah, attendez. Ok, tous ces V-Bucks gratuitement. Donc début de vidéo, il nous montre qu'il a obtenu 10 000 V-Bucks. Donc comme quoi ça marche bel et bien, d'accord. Du coup, première étape du glitch, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans vos paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, ce que vous allez faire quête d'opinion. Et là, vous allez switcher sur non. Et... ok. Et sur oui. Ok, ok. Donc là, première étape, on va essayer. Donc je suis sur le jeu, on va faire le glitch tous ensemble. Donc je vais le faire également. On va faire, donc là, on va faire paramètres. Vous voyez le petit bonhomme à droite. On clique dessus, d'accord. Et là, il y a enquête d'opinion. Donc moi, je suis sur oui déjà. Si vous êtes sur non de base, vous switchez sur oui et après vous re-switchez sur non, ok. Vous allez switcher sur oui et après vous allez re-switcher sur non. Et après, encore une fois, oui, voilà. Après, on fait ça, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans l'icône 13500 V-Bucks. Là, vous allez faire acheter. Une fois après avoir acheté, ce que vous allez faire, vous allez cliquer plusieurs fois comme dans la vidéo. Du coup, voilà, c'est vraiment hyper... ok. Donc là, le but est de générer un bug, hein, du coup. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, très important, il faut aller sur V-Bucks, ok. 13500 V-Bucks, on clique dessus, il faut cliquer sur acheter, cela n'engrangera pas de frais, n'ayez pas peur, ça va pas acheter réellement, c'est juste ça va vous offrir une page pour pouvoir mettre votre carte, etc. Mais ne, vous ne mettez rien, d'accord. Le but c'est d'avoir 13500 V-Bucks gratuitement, c'est pas des payés. Hein. On achète, donc on clique sur acheter, hein, d'accord. Ça va avoir ici, hop, chargement de votre commande, vous enlevez, d'accord, instantanément. Ok, vous faites échappe, vous avez pu voir, hein, je n'ai pas acheté de V-Bucks en haut à droite, rien ne s'est enlevé, d'accord, c'est totalement gratuit, d'accord. Donc là, une fois, il a dit, une fois qu'on est là, maintenant, on clique sur 13500 V-Bucks et le but, c'est de faire, de cliquer et de repartir, de cliquer, de repartir, de cliquer, de repartir. Ok, donc vous faites ça. Et à un moment, regardez, à un moment, ça va glitcher, regardez, attends. Voilà, regardez, vous avez vu? Ça m'a glitché mon écran. Regardez, il faut vraiment le faire. Il y a un bon timing. Alors, peut-être que vous n'allez pas obtenir le même résultat de bug qu'il y a là. Mais regardez, moi, on peut voir que mon truc de social ici est totalement bugué. À droite, le menu, il est totalement bug aussi. Voilà, il y a bel et bien un bug qui a été généré, d'accord. On va regarder un petit peu la suite de sa vidéo. Important énormément, votre écran doit bugger comme dans la vidéo. Là, vous avez juste à revenir au lobby. Une fois revenu au lobby, vous allez faire signalement retour et bug. Bon, alors normalement, s'il y a un bug comme ça, t'es pas censé pouvoir revenir sur le lobby. Hein. Regardez, moi je peux pas cliquer dessus. Donc. Là, vous allez faire signaler un bug. Vous allez dans toute boutique, casier ou salon.
Ok, là je. Ok, j'ai déjà vu ça sur un autre glitch, donc on va le faire. Alors, on va faire ça. Donc, j'ai recliqué, ça m'a fait des bugs, ok. Et là, on va cliquer sur jouer, donc on va revenir sur le lobby, comme il a dit. Et là, on va à droite, ok. Donc, les trois petits points, on va faire signalement slash retour, d'accord. On va faire signaler un bug. Parce qu'il y a eu un bug, il y a eu un bug d'interface, il y a eu un bug du coup parce que je j'ai pas reçu de V-Bucks, rien, d'accord? Donc on va cliquer ici sur boutique, casier ou salon, ok? Et en dessous, il y a une étape qui s'appelle les objets ou V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas, ce qui est le cas. On a cliqué sur acheter tout à l'heure, ça n'est pas apparu, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, d'accord? Il y a bel et bien eu un bug sur ça. Donc, on va cliquer et là on fait continuer du coup pour envoyer le rapport de bug à Epic Games. Ok, donc là j'appuie sur accepter et vous allez voir que du coup ça génère un truc, ça nous dit merci d'avoir signalé, etc. On peut fermer, on est sur le retour et vous allez voir ce c'est ce qu'il va dire. Hein. Là, Voilà. les V-Bucks que j'ai achetés n'apparaissent pas. Vous allez cliquer sur ce message. Là, vous allez Voilà. faire continuer et vous allez accepter. Après avoir... Voilà, ok, donc vous avez vu, il a fait accepter, donc il y a eu bien un truc, ok. Et après, il a quitté rapidement, mais ça a envoyé quand même le rapport, hein, donc nice. Envoyez votre message à Epic Games ce que vous allez faire. Vous allez retourner dans la boutique d'objets, soutenir un créateur et vous allez accepter. Faut aller dans la boutique d'objets, ok. Je vois donc soutenir un créateur. Donc vous êtes obligé, ok, de prendre un code créateur n'importe lequel, selon la vidéo qui le dit. Hein. Il dit pour le glitch, pour que ça marche, faut soutenir un code créateur. Donc moi je vous propose de soutenir le code créateur Bokuni, donc Bokuni, c'est mon code créateur. Donc merci à tous ceux qui le feront. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous-même peut-être vous êtes youtubeur, donc choisissez votre code créateur. Ou alors si vous voulez soutenir Michou, un truc comme ça, voilà. Vous soutenez celui que vous voulez. Moi je vous code créateur Bokuni, ça me ferait plaisir. On accepte hein, et une fois que c'est fait, du coup, on va voir un petit peu la suite du tuto. Après, on fait ça. Ce que vous allez faire, vous allez voir dans vos paramètres quel nom vous allez vous mettre sur nom et sur lui. Encore une fois, là, vous avez juste à faire choisir le mode de jeu pour les joueurs Switch. Ce que vous allez faire, vous allez quitter le jeu et vous allez juste à relancer le jeu. Là, vous allez relancer le mode Battle Royale. Donc là, on va du coup tout simplement ici, paramètres, le petit bonhomme en haut à droite. On va faire du coup enquête d'opinion, on va switcher sur oui, enfin sur non, appliquer et on va remettre sur oui, d'accord. Et une fois qu'on est là, on peut du coup faire choisir le mode de jeu. On va du coup recliquer sur Battle Royale. Ce qui va permettre, en gros, il ne le dit pas, mais je pense que vu qu'on est déjà dans le Battle Royale, on va revenir dans le Battle Royale. Le jeu va se dire, what the fuck, pourquoi il fait ça? Il est déjà dedans, tu vois. Ce qui va peut-être accentuer le bug qu'on a eu tout à l'heure. Et peut-être que c'est comme ça qu'on va obtenir les bugs. Je ne sais pas, hein, je regarde la vidéo en même temps que vous et j'analyse en même temps que vous. Donc voilà, je suis dans le mode de jeu. On va suivre Une fois le venu sur le reste. mode Battle Royale, ce que vous allez faire, vous allez vous rediriger dans la boutique Fortnite. Là, vous allez faire soutenir un créateur et vous allez faire accepter. Après, enfin, ça, ce que vous allez faire, vous allez encore cliquer sur la case 13 500 V-Bucks. Et là, vous avez juste à vous rendre dans vos paramètres. Et normalement, tout simplement dans quête d'opinion, normalement, vous devez bien avoir 8 comme dans. Ok, donc là, encore une fois, je fais petit à petit hein, et je redis pour que vous compreniez très très bien. Vous allez retourner dans la boutique d'objets, il faut re-soutenir un code créateur, donc soit changez-le ou regardez le mien encore une fois, à la beau code créateur Bokuni, hein, je le répète, Bokuni. Ok, donc moi je me re-soutiens parce que c'est mon code créa normal. Et une fois qu'on a ça, donc il faut revérifier donc, dans les paramètres qu'on est bel et bien du coup en quête d'opinion ou oui, moi c'est le cas, donc pas besoin de changer. Dans la vidéo, après là, vous avez juste à faire choisir encore une fois le mode de jeu et simplement vous allez attendre 1 à 2 jours avant que Epic Games mette vos V-Bucks et voit votre message de bug, le message qui consiste à. Ok, donc normalement, 1 à 2 jours après, on devrait du coup avoir les V-Bucks via ce bug-là. Donc on va voir. Hein. Quoi, juste envoyer votre message à Epic Games comme quoi vous avez acheté plus de 13 500 V-Bucks et que vous n'avez pas encore reçu vos 13 500 V-Bucks. Bien sûr, je répète que le glitch, on vient juste de le tester. Du coup, on sait pas encore s'il va fonctionner. Si vous voulez qu'il fonctionne, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo au maximum et à Voilà, vous abonner likez à les la chaîne potos. YouTube Code Créateur. Dans la boutique Fortnite, du coup, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram pour voir si le glitch il a fonctionné ou pas. C'était.
Allez, ciao tout le monde. Les potos, je vais vous le dire tout de suite. Alors, on va juste continuer le glitch. Hein. On va faire choisir le mode de jeu. On va le finaliser. Hein. Donc, voilà, Battle Royale. On clique dessus. Et voilà. Donc, normalement, de ce que dit le youtubeur, donc d'ici 1 à 2 jours, on devrait recevoir nos V-Bucks. Donc de 13 500 V-Bucks, d'accord. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, les potos. Si vous êtes arrivés jusqu'à là, merci d'ailleurs. Hein, non, merci énormément. Mais c'est que, comme la plupart des gens, comme énormément de gens, donc voilà, n'ayez pas peur, c'est normal, d'accord. Si je fais cette vidéo, c'est également pour ça. Vous vous êtes fait avoir, d'accord. Vous vous êtes fait avoir par moi, parce que je vous ai fait faire le tuto. On a fait faire le tuto comme ça. Et vous êtes fait avoir aussi par la personne qui a fait ça. Vous êtes fait avoir par toutes les personnes qui ont fait ça. Sachez les potos, je vous le dis, et ça c'est une vidéo préventive, et j'espère que vous allez comprendre le message que je veux faire passer sur cette vidéo là, d'accord. Sachez-le, les glitchs de V-Bucks ne marchent pas, ne marcheront jamais et n'existent pas, d'accord. Parce que sachez-le que si il y avait un glitch V-Bucks qui marchait réellement, ce glitch serait patch en un instant et vous seriez banni du jeu, d'accord. Donc sachez-le, il n'y a aucun glitch V-Bucks au monde qui marche et ne marchera jamais, d'accord. Sur ça, Fortnite est trop évolué sur ça. Il y a trop de protection, il y a trop de choses qui font que ça ne buggera jamais. Donc ne vous faites pas avoir par les youtubeurs comme moi, comme les youtubeurs comme n'importe qui font des vidéos sur des glitchs V-Bucks, hein, parce que ça n'existe pas, d'accord. Moi, je fais cette vidéo là justement pour qu'à la fin du message, à la fin de la vidéo, vous vous rendiez compte que effectivement il y a pas mal de choses qui vous auriez pu capter que c'était une vidéo fake. Quels sont les signes d'une vidéo fake? C'est tout simplement d'une personne qui, comme vous avez pu voir sur cette vidéo là, vous répète énormément les mêmes choses. Énormément. En fait, il va vous dire globalement les astuces, hein, c'est ça, hein, pour avoir du monde, des viewers, etc. Et énormément de gens qui soutiennent. C'est, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, sinon ça marche pas. Fortnite est aussi intelligent et a tellement développé qu'il arrive à savoir si vous avez liké et que vous êtes abonné à la chaîne, alors que il n'est pas en rapport et il n'a aucun dossier YouTube. Donc ça ne marche pas déjà. Si quelqu'un vous dit abonne-toi ou like si tu veux quelque chose, ça c'est pas possible. Ils peuvent pas corréler. C'est pas possible. Donc aussi, il y a une autre chose, c'est le code créateur. Le code créateur, ok, on est sur le jeu, ils peuvent voir, mais ça ne fait aucun bug. Ok, si il dit aux gens donc de bel et bien soutenir son code créateur à lui, sinon ça ne marche pas. Comment ça se fait? Est-ce que Fortnite arrive à détecter ton code créateur? Non, ça ne marche pas. C'est pas possible, d'accord. Il y a pas mal d'autres choses aussi. Regardez à la fin de la vidéo, il a dit je ne sais pas encore si le glitch va marcher ou pas. Manière de se dédouaner si ça marche pas et que dans les commentaires ça râle un peu. Et à la fin, il dit aussi quelque chose de très important. Les potos, si ça marche, je vous le mets sur mon Instagram. Donc en fait, globalement, si vous voulez savoir que vous, ça ne va pas marcher, hein, vous allez attendre 2 jours, vous allez revenir sur la vidéo. Donc déjà, ça fera 2 vues, parce que vous allez revenir au bout de 2 jours, ça fera 2 vues sur la même vidéo. Donc il va monter en vue. Et en plus, vous allez dire, putain, mais je sais pas si ça marche ou pas. Donc je vais aller sur son Instagram pour voir si ça a bien marché. Et sur son Instagram, il vous mettra qu'il a bien et bien obtenu 13 500 V-Bucks, qu'il aura bien sûr au préalable acheté ou alors pris un screen d'un autre vidéaste qui aurait pris 13 500 V-Bucks. Donc vous allez vous faire avoir, putain, merde, ce youtubeur là, ça a bien marché, il l'a mis sur son compte Instagram, pour lui ça a marché, il a bien 13 500 V-Bucks, et moi ça a pas marché. Oh mince. Ah bah je vais liker sa vidéo quand même, parce que du coup peut-être que je suis arrivé trop tard, ou peut-être que j'ai mal fait la manip, et du coup c'est ma faute, et c'est pas celle du youtubeur. Non, c'est la faute du youtubeur, il vous a piégé, il vous a eu, vous êtes tombé dans le panneau, tant pis. C'est fait, voilà, mais moi en tout cas je suis là pour justement vous attirer avec le même titre et les mêmes choses pour qu'à la fin vous compreniez qu'en fait ces titres là, ces vidéos là ne marchent pas, n'existent pas. Donc sur ce, moi je vous dis c'était Ekar, ciao bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez compris la démarche de la vidéo et que vous avez quand même liké et que vous êtes abonné, parce que je suis l'un des rares, je pense, à ne pas vous mentir. Allez sur ce, ciao, bye bye, portez-vous bien et puis c'est tout.